Bonjour à tous. Alors, je présente ici d'excellents haut-parleurs. Alors, pour la gamme de prix, hein, puisqu'ils sont proposés à un peu moins de 50 euros, franchement, je les trouve très bons. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, leur autonomie, qui offre pratiquement 5 heures. Alors, j'ai eu 4h45 en écoute de musique lors de mon premier test et un peu plus de 3 heures quand je passe en mode jeu. Parce qu'en plus, ce sont des écouteurs qui peuvent servir pour le jeu grâce à un mode de faible latence qui est activable très facilement. Alors, les points forts que j'ai relevés, d'abord la qualité du son. Alors, c'est pas extraordinaire, mais dans cette gamme de prix, c'est vraiment très bon. Et attention à pas trop pousser les basses parce qu'il peut y avoir de la saturation, mais sinon, c'est vraiment un son qui a du relief, hein, qui est vraiment très bien. Il y a une bonne dynamique, je trouve. Le confort, il est très bon. D'abord parce qu'ils sont très légers, j'ai relevé 4 grammes par écouteur, 4 grammes seulement. La tenue dans les oreilles est très bonne. Alors vous avez de livret avec 3 jeux d'embout, hein. Les moyens sont installés, vous avez des petits et des gros. Moi les moyens me vont très bien, donc franchement ça tient bien, il n'y a pas de problème, même avec des mouvements de tête assez rapides, ça bouge pas. Ça c'est vraiment top. On les sent pas entre leur poids et le confort des embouts silicone, franchement top. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah déjà la charge rapide. Alors ça, il faut quand ils sont complètement vides, vous les mettez en charge en 1 heure. Vous avez pratiquement vos 5 heures d'écoute, enfin 4h45 pour moi. Ça devrait s'améliorer vu que c'est des petites batteries lithium-ion. Les 3 premières charges en général donnent une autonomie un petit peu moins bonne que par la suite. Ensuite, vous avez ici le boîtier. Vous voyez, qui intègre une batterie et qui vous permet de les recharger complètement 3 fois. Donc franchement, ça vous donne une excellente autonomie. Ils tiennent dedans par aimantation et dès qu'on les place à l'intérieur, eh ben, ils se rechargent. Okay? Donc ça, c'est vraiment top. Et le dernier point fort que je vois, c'est d'abord, enfin c'est pour finir, pardon, le port USB type C pour la recharge. Donc on n'a pas à se soucier du sens de branchement. Ça marche très bien. Vous avez un petit câble USB-C qui est livré et vous pouvez donc les recharger à partir de n'importe quel chargeur 5 volts du téléphone et même, mais en plus lent, à partir d'un port USB-C de l'ordinateur. Donc vraiment un bon produit, je trouve. Alors au chapitre des défauts, j'ai trouvé deux choses, alors qui sont pas du tout rédhibitoires. Hein. Encore une fois, en regard du prix, je laisse les 5 étoiles. Je trouve qu'elles sont méritées. La qualité des micros. C'est bon, on vous entend, mais c'est un peu en retrait par rapport à la qualité d'écoute, je trouve. Là, vous voyez, on voit que c'est en charge. Petite lampe rouge allumée. Au niveau de l'appairage Bluetooth, aucun souci. L'autre petite critique que je ferais, mais c'est pas du tout dû au haut-parleur, c'est plutôt dû au diamètre des haut-parleurs. C'est-à-dire qu'en mode jeu, quand vous les utilisez, vous avez le positionnement 3D d'origine des sons, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui marche derrière vous dans un jeu ou quoi. Et c'est un peu moins bon, bien sûr, que sur un casque traditionnel. Mais bon, franchement, encore une fois, c'est très bien pour le prix.